Ladies and gentlemen, very nice to see so many of you here on a day when it's so sunny that we think you've probably struggled to get yourself into a dark room to talk about photographs. Very glad to see so many of you here. We haven't really got an agenda. We want the conversation to flow. There are all kinds of questions that I want to ask this interesting panel. I wanted to start simply by asking you each in turn simply to say what kind of pictures you have made in the past and what kind of pictures you're going to make in the future. Give us a quick who you are and dans le passé. Présentez-vous rapidement et expliquez-nous votre parcours. Bonjour à tous, je m'appelle Anoush Abrar. Good morning, Anoush Abrar. De reGeneration 1. I belong to reGeneration 1. It's a very difficult question because I'm a bit of an ET here. I worked in different fields, fashion, portraits, celebrities. And so it is not easy to summarize what I do because I've done all kinds of things and I go from one world to the next. But I've always been involved in photography, so maybe a little bit later on I'll be able to build on what I've just said. Thank you. Alors bonjour à vous. Good afternoon. Je m'appelle Mathieu Gafsou, j'ai 33 ans. I'm 33 years old, I have two sons, I'm married. Et j'habite à Lausanne. And I live in Lausanne. Accessoirement, je suis aussi photographe. I'm also a photographer. Et ma pratique de photographe est aussi pluridisciplinaire dans le sens où j'enseigne un petit peu, à 10%. Je fais des commandes pour gagner de l'argent, j'aime pas beaucoup ça en général. Et la partie de mon temps la plus importante est consacrée à mes travaux artistiques, que ce soit leur production ou leur suivi, les expositions. Produce and organize exhibitions. Thank you. Yes. Hyvää päivää in Finnish. My name is Jona Kinna. Jona Kinna. I think I have the same with Anoush. J'ai un peu le même parcours que Anoush. J'ai une approche multidisciplinaire. J'ai travaillé également un petit peu dans le monde du cinéma. Now finishing, it's only about text. À l'heure actuelle, je ne travaille que sur le texte, pas d'image. C'est un peu un documentaire que je suis en train de réaliser où je joue un peu avec le texte comme support. C'est un peu un processus de traduction de ces images. Hello everyone. My name is Matt Wapples. Bonjour à tous. Je suis Matt Wapples. J'habite au Canada. Je fais surtout de la photographie. Donc je suis. Moi, je ne produis pas beaucoup d'images, mais en fait, j'aime me pencher sur les composantes de la photographie et de sa production. J'essaie de développer cela dans l'espace des galeries. It's a little awkward. We're all sitting in a straight line, but you have to imagine a conversation flowing across these angles, which you can't see. Je sais que c'est un petit peu bizarre. On est tous alignés ici. On doit parler avec le public. Who you think you're addressing when you start to make photographic work? It's an old, old thought. Quand vous commencez à photographier, la photographie, ça change. Les photographes changent en fonction de l'environnement dans lequel ils travaillent. Et très souvent, j'ai l'impression que les photographes ne savent pas à qui ils vont s'adresser jusqu'à ce qu'ils trouvent un public un peu plus tard. Est-ce que c'est un peu votre impression? Vous travaillez parce qu'il faut. An audience that avez-vous trouvé suits it, un, or is it your public, view that you adapt your form of expression pensez-vous to a targeted vous audience, votre and then later that audience cible, Mathieu, you're en nodding. Espérant que ce public grandisse avec le temps. C'est une question vraiment très intéressante que je me pose souvent. It's a very interesting question je pense que that I've j'ai tendance raised, à croire many times. Que je fais mon travail de façon ex nihilo à partir de mes that, idées et qu'il y a une certaine indépendance dans la création. Ideas, I'm quite mais je pense qu'il est aussi très difficile de ne pas être contaminé par ce qui est à la mode, but parce qu'il est valorisé par les institutions et que même si on essaie de s'en préserver, au fond, on est toujours aussi un produit de notre époque en même temps qu'on est un individu. Et j'essaye de faire la part des choses quand j'ai un regard un peu rétrospectif sur certains de mes travaux. De voir ce qui provient peut-être de moi et ce qui vient de cette contamination qui est parfois positive du monde extérieur. That work and mean what comes from the external Anoush, world. Have you found over the years that Anoush, the people who appreciate a certain body of work are really not the people you had in mind when you first made it? Personnes qui apprécient un certain type d'œuvre ne sont pas vraiment le public auquel vous adressiez au départ. Je fais absolument pas attention à qui regarde. I do not pay attention at all to who follows my work. Well, maybe a little bit more now.
Because my colleague just said we are contaminated, which I think is quite accurate. But if I look back at what I've done in the past, I think that I've done some work which was too controversial, and therefore people put me in a box and said, that's what he does. But I do like to change. Art is becoming a very specialized area. People expect you to stick to that field. But in my case, I do like to work on something precise, and then I like to change projects. Compliment pour un artiste quand une œuvre est reçue, think it's a compliment, par exemple dans le monde commercial, for instance, quelque chose qui avait été lancé, pas du tout avec cette idée en tête, when you created, ou est-ce que c'est une expression qui met en welcome in le commercial travail world. Qui existe that, et qui demande une réévaluation does that mean you have to re-evaluate your style and the way you work? Je suis quelqu'un d'assez pragmatique et puis j'aime I'm bien quite, quand je présente à des gens qui comprennent pas I'm quite pragmatic and when I meet people who don't know anything about photography, I try to make an analogy with music. In music, what matters are en photographie ou en musique, c'est les outils qui font que la musique change, la photographie change. Music can change, photographies can change. C'est toujours évidemment extrêmement agréable quand quelqu'un achète une œuvre. Of course, it's always nice when people buy your work. Sometimes I wonder why they do. Il y a aussi deux types d'acheteurs. But there are two types of buyers. Ceux qui vont acheter quelque chose d'esthétique. There are those who are trying to buy something aesthetic. Ceux qui ont acheté. And others who try to buy art just to show off. Bien différente qu'une œuvre juste esthétique. Mais je nie pas. L'un a besoin de l'autre. I would say that it's important to work on the aesthetic content of art. I do own pieces of art that are beautiful. Of course, my wife had to agree before I purchased them. But there are other works that are more controversial. And I believe that even with this current exhibition, that's what we're trying to do. Some equation between the value that other Est-ce qu'il y a pour vous une équation entre la valeur que le public accorde Is à votre travail et ce que vous vous accordez comme valeur à votre travail? Est-ce qu'il y a une relation entre, par exemple, l'admiration du marché ou l'admiration des musées et la qualité que vous donnez à votre progression en passant de débutant à un artiste chevronné? Si j'ai bien compris la question, je suis influencé parce que les autres pensent. Et puis, en tant qu'artiste, on peut choisir si on veut exposer dans une galerie ou autre. Pour moi, les galeries, c'est un espace plus privé. Mais par exemple, quand on expose dans un endroit public ou un musée ou une grande institution culturelle, enfin, en tout cas, c'est mon opinion. J'ai l'impression que c'est un phénomène beaucoup plus ouvert. C'est vrai que les galeries aussi sont ouvertes. Les gens n'ont pas besoin de payer pour entrer dans une galerie. Bref, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais je connais un artiste, un couple d'artistes finlandais qui travaille pour la Biennale de Venise en 98. Et j'ai lu un article dans le journal Helsinki qui disait qui s'adresse vos œuvres. L'artiste a répondu, ce n'est pas pour tout le monde et pourtant c'est pour tout à chacun. Je ne sais pas si j'ai bien traduit ce que je voulais dire. It's good, we hear that. Let me ask you about taste. Questions that escapes in photography, thank you. One of the questions that people miss the whole time. Une des questions que l'on oublie toujours de poser. Vast flow of imagery that we're now avec toutes les images maintenant qui nous submergent, comment arrivez-vous à identifier le jugement que les gens font sur vous, sur ce qu'ils veulent voir? Everybody is now able to criticize photography. Everybody is literate in photography. Everybody has a position. Aujourd'hui, tout le monde a une opinion sur la photo. How do you find the people whose judgment you want to hear? Et donc, comment arrivez-vous à justement écouter le type de critique que vous avez, dont vous avez envie? Exactly.
grasp the question right. Would you be able to just word it again? Est-ce que vous pouvez répéter cette question différemment? You're making a passage through vous êtes en train the de notion faire of communicating le things that you want to address to the outside world. Sur la notion de communication, le message que vous voulez faire passer. Comment est-ce que vous savez que les gens ont bien capté so votre message? Exactly what I'm trying to en fait, pour moi, ce n'est pas surtout ce qu'ils vont retenir de mon message. Mon travail est basé sur mes propres intérêts. J'ai travaillé de manière très classique, traditionnelle, puis ensuite j'ai commencé un petit peu à décortiquer ce que j'avais fait pour identifier les éléments centraux de mon travail. Mais je pense qu'aujourd'hui, moi, ce que je crée d'un point de vue esthétique est assez agréable à l'œil. Et je me dis jamais, il faut que ce travail soit intéressant et beau. With my work, if mais you do have a large historical background in photography, you can take par exemple, from it that maybe the average on peut wouldn't. Également then, s'inspirer de ce qui a déjà été fait. Et vous avez des gens maybe qui, eux, ne connaissent pas ce domaine de la photographie. Et j'espère que grâce à mon travail, ils vont peut-être découvrir une autre facette de ce monde qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à présent. Y a-t-il trop d'images à l'heure actuelle? Trouvez-vous que vous but that limiter dives back into the history choix. Of photography to on give en them a route in. De la photographie. I saw the other day, savez, jour, Facebook finally admitted that 350 billion photographs had been uploaded to Facebook alone. That makes de all of your positions very difficult. You're supplying content which we know in other contexts is barely looked at all. What's your reaction as somebody who dives into the history of photography? What's your reaction to that vast flow of pictures? De photos. Oui, c'est clair que nous sommes constamment bombardés de photos et moi je ne crée pas trop d'images. En fait, j'essaie d'avoir un regard plus contemplatif. Comme je dis plus tôt, j'essaie de faire du travail qui est basé sur un ensemble, une installation, une fonction et j'essaie de donner cette image de représentation. Temporelle. Par exemple, ici, cela reflète ce que je fais à l'heure actuelle, ce qui m'intéresse. Si je peux me permettre, est-ce qu'il y a trop d'images? Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de photographes, tout le monde est photographe amateur et tout le monde. Where this our medium is going. Et on se demande quel est l'avenir de la profession. Mais vous savez, je trouve que c'est encore un support très jeune, la photographie, ça a 150 ans. Et c'est une langue en soi, la photographie. Des fois, j'ai l'impression de voir plus d'images que de mots. Parce que, par exemple, sur une image, vous pouvez lire plusieurs images, en fait. Et que notre culture a changé. Ce qui est curieux justement à propos du fait que on est effectivement envahi aussi par ces images, c'est qu'on apprend très bien à l'école, that we are bombarded by images all the time and in school they teach us how to read words but not how to read images. And if you look at Facebook, yes, sure, there are 350 billion images of cats, but they're so they're not really interesting, these images that are on Facebook. Énormément sinon conceptuellement. Mais on le sait aussi beaucoup tout le temps maintenant. So we see this a lot today. We are bombarded by images, by photos. The issue is that we don't know how to read these images. Les artistes ont quand même cette mission d'une certaine façon aussi d'amener des images qui font penser, qui sont pas seulement décoratives. Images that can convey a message. Talk to me a little bit more about the relationship between words and vous pouvez expliquer cette relation entre les mots et les images, parce que ce qui m'inquiète, c'est que quand les gens reçoivent des photos, c'est de les traduire en mettant une légende dans leur tête tout de suite. Micro. It's, of course, it's not possible. The photography is more ambiguous. C'est vrai que la photo c'est beaucoup plus ambigu. J'ai du mal à parler dans le micro et vous regarder en même temps. But
It's more ambiguous, but I think. C'est vrai que c'est une relation ambiguë. Small brothers and sisters. Et moi, j'ai des petits frères, des sœurs qui ont 20 ans plus jeunes que moi et qui utilisent Snapchat et autres outils que je ne comprends pas bien. Et ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font. Pour eux, c'est un jeu. And they, when they see my pictures, for example, quand ils voient mes photos, ils s'ennuient, ça ne les intéresse pas. Not curious about it because it's too slow. Parce que c'est trop lent. That's why you're here. We're not bored of your pictures yet. C'est pour ça que vous êtes là. Nous, nous sommes ravis de voir ce que vous avez créé, de regarder vos photos. Style in pictures. La valeur, le style des photos. If you put up a Facebook, not a Facebook, a Google search page. Quand vous faites une recherche sur Google, in the context of being an inch across and 300 of them on the page. Vous allez avoir 300 sur cette page. Alors comment vous identifiez-vous pour créer quelque chose qui puisse entrer en concurrence avec ce flux incessant d'images? Je sais que vous travaillez dans différents contextes. Est-ce que vous pensez que certaines photos ont plus de poids que d'autres? Oui, enfin, c'est quand même une question difficile parce que. Yes and no. Comment est-ce qu'on identifie Because une image how do you qui a une force? Identify an image dans lequel on that can convey a message? Moi, je dirais qu'on est dans une phase de la transformation entre le film et le digital. The move from analog to digital changed everything. This old tool, which is photography, has changed a lot. Back in the days, when I was younger, I feel very weird to say when I was younger. Même les galeries, back in the days, galleries, ne voulaient pas, par exemple, collectors, une photo qui n'était pas faite en film, did not want qui n'était pas encadrée. A photo that was not framed. Today, this is not the case. On n'a pas besoin de faire une école d'art pour you faire don't need to go to art school besoin, to take a nice picture. Eu un mentor. You don't need to have been trained by a mentor. I think anyone can become a photographer. It's based on your experience that you're going to build a consistent artwork. But if you look on the internet, for instance, you can find it online, but what matters with photography, un travail d'art, pour moi, c'est quelque who creates c'est art? On a posé à toutes les questions et on diminue le travail jusqu'à once you've asked all the questions and you've been able to come up with a piece of art that expresses truly what you want to say, there are many people out there who do beautiful images, but the real critic, if these people were guided properly, there would be a lot of artists. Alors, il y a une époque où les photos venaient d'autres domaines que du domaine artistique. En fait, il y avait des photos prises par les journalistes du télescope de Hubble, d'autobiographie, et elles ont été acceptées comme étant des œuvres d'art par un processus de digestion. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est l'inverse. On a des images qui sont lancées comme étant des œuvres d'art et finalement qui ne répondent pas à leur vocation. Par exemple, le prix Pictet est important parce que toutes ces photos sont diffusées dans les magazines, dans des expositions. Elle porte un message, mais également un contenu artistique. Où est-ce que vous situez-vous dans ce débat? À savoir, Jona calls it a language, on parle de la photographie comme étant une langue, mais c'est une langue qui limite a lot smaller than the un old monde photographic world used to be. Qui est plus petit que l'ancien monde de la photographie. Aujourd'hui, par exemple, il y a des photos qui sont beaucoup plus largement diffusées aujourd'hui. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient, Matt? Should we ask the audience? Well, it's a big question. I mean, oui, je sais que c'est une grande question. All of you exist in a world where you have vous existez very, tous dans un monde audiences, où vous avez des publics in number. Enthousiastes, mais limités par le nombre. Be, et la photo, ce n'était pas ça. Je pense qu'aujourd'hui, le monde de la photo who est un monde to, différent. When you make pictures that go quand vous faites the, des images, world, Matt, qui vont être diffusées dans le monde, vous adressez à qui? Ce que j'ai remarqué dans ma
pratique, c'est que je gagne effectivement plus d'argent en vendant mes photos à des collectionneurs qu'en les vendant à la presse. C'est intéressant de comparer les éditions de Régénération. On est chez l'art contemporain qui est de plus en plus manifeste dans les travaux des étudiants. À mon sens, ce n'est pas étranger au fait que le marché de la photographie s'est développé et qu'à l'inverse, le marché de la presse a laissé lui énormément réduit. C'est-à-dire que même si ce n'est pas conscient de la part des photographes, le système fonctionne ainsi. Il y a une évolution qui fait que l'argent s'est déplacé plutôt dans le monde des collections où la photo est devenue un objet qu'on collectionne vraiment et beaucoup, alors qu'au contraire, les magazines, comme ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus. Whereas magazines don't buy when they don't have any more money. En même temps, la photo est devenue quelque chose de virtuel. At the same time, l'objet lui-même, photos have become a virtual tool. Il y a un contraste and pour so moi très visible. And so I think there's a dichotomy entre cet objet très prisé, très cher, vu par this very much sought after image, mais qui circule dans un autre. Et c'est souvent les mêmes images qui sont dans la même online, and in most cases, these are the same images that you see. And therefore, you end up in a situation which is quite awkward because you have to define exactly where you want to be. I get really annoyed by these kind of questions. Alors, let me tell you right now. Le problème d'internet a fait que la majeure partie des images sont maintenant visibles sur un écran. Most images can be seen on a screen. Ça aussi c'est aussi une cause de tout ça. Ça veut dire que, en fait, il suffit de regarder tous les concours de photos qui existent. La majeure partie de ces concours, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on paye une image, what you on va l'envoyer par Internet, image, ou plusieurs you send images, it through, the les juges sont à travers le monde, the jury is scattered throughout the world, pour regarder les images. And they get a link so they can see your images. But really, my question is, how many images can they look at without being bored? Et j'ai l'impression qu'on est dans une phase de transition. C'est I do feel that we are transitioning at the moment. Cet effet virtuel va peut-être and this virtual world is going to go smaller, and I hope that we can go back to the fundamentals of photography, which is photography as an object. Où la photo est imprimée et on peut dire quand on regarde une image sur un écran. At images on a screen c'est like here, it's not the same thing as if you look at it in front of your eyes. And this is what our professors used to say back in art school. I remember they would say, go and see these pieces of art for real. Go to the museums, go to the galleries. And I think you get a completely different feel for the piece of art that is in front of you. And so I do think that it's the same for an exhibition. If an exhibition, if the photo is not properly framed and hung, the exhibition won't be pretty. Pouvez-vous dire qu'il y a en fait un fossé maintenant entre les photographes du passé et les photographes actuels qui sont peut-être simplement des opérateurs d'appareils photo. Je ne sais pas, ici, vous êtes venu en voiture, vous avez peut-être vu, maintenant, dans le temps, il y avait des pervenches. Aujourd'hui, ce sont des caméras qui prennent des photos de vos voitures. Et finalement, il faut que ces photos soient de bonne qualité pour qu'elles soient utilisables dans les tribunaux. Et donc j'ai l'impression que ce que vous décrivez, c'est qu'il y a un fossé aujourd'hui. Vous avez des gens qui pensent qu'ils sont vraiment dans la culture de la photographie, ne sont plus les mêmes que ceux qui utilisent des appareils photo tous les jours, qui reçoivent des informations sur Internet, qui parlent ce langage de la photographie, mais qui en fait ne sont pas authentiques. Par exemple, if you believe in riding up mountains very fast in yellow jackets, le vélo. You're a cyclist, si but if you vous, are a vous granny going to the shops in qu'il faut grimper les montagnes, you're just a person on a vous bike. Adorez le vélo. Maintenant, si vous allez faire du vélo pour acheter so vos courses, vous, c'est pas du cyclisme, c'est simplement un petit coup de vélo. Et je crois que c'est la même chose dans la communauté de la photographie. Vous sentez-vous menacé par cette outside? Prolifération d'images? Not your business. No concern, not your business. No, not my business. And then I had one memory also ce with votre problème. This kind of materiality of photography. I was studying in Bezalel, Academy of Art and Design in Jerusalem, and I had an amazing teacher, Simha Shirman, and
He was also very strict, and he never wanted to see any pictures on the screen. So always you have to, even to bring like laser prints. And I think that's still in my habit, like in my backbone. Like I need to see something. I need to touch it. I need to kind of feel the weight. And actually, there was interesting. Now I'm taking maybe too long, and you can stop me if you want. This way. Johanne Pallasmaa wrote in his one of his Finnish architect and also writes about architecture and art. And then he was describing this one tripod, like a community that lives in it lives in Africa and near to Ethiopia. And then they have never seen a picture, and they gave them a picture. And what they did, the community, they didn't look at the picture, what was in the picture, but they rather they smelled the paper, they were painting the paper, like studying the materiality, but also they were like listening, like what kind of sound does it make? And I think this is kind of interesting that, and also in my work, that you can read images by using other senses as well, that it's not the only them. It can invite you to imagine, or you have to, you see image of that you have to smell, it's about smelling something, or you have to use other senses. Like when you're watching fire, you're watching the fire, you see it as an image, but it's also, it's warming you, it's... you feel it, you hear it, it's this kind of whole experience. So maybe that's something that you want to see. For you, it's also important to not to see them on the screen, but see them, even you cannot touch them or bend the work. I used to work at Sotheby's, and one of the things you certainly do at Sotheby's is to smell photographs. It gives you some clue as to the process. Old photographs where you don't know how, you can smell them. It makes a difference. I want to ask you about vernacular photography. It seems to me there's been a huge revolution over the last 10 years or so, which is that more and more artists are making pictures from things that already exist, either from the internet or from old photographs salvaged or from pictures that they find or from family work of their own that's relevant. How do you all feel about the idea that one can be a photographer without ever using a camera? L'idée d'être un One photographe sans Somebody. Jamais toucher un appareil Mathieu, de photo. Go ahead. Mathieu. Mais Bigot, peut-être parce que être un photographe, c'est plutôt justement maîtriser le langage plutôt que de se servir de l'appareil. Là où je te rejoins pas tout à fait justement, Anoush. Et effectivement, je pense que c'est aussi une réaction face à la profusion des images, face au déferlement un peu étouffant, où le fait d'en faire des nouvelles participerait encore à cette espèce d'engloutissement qui est un peu angoissant. Personnellement, en tout cas, m'angoisse. Pour moi, Instagram, c'est l'angoisse pure. J'ai fait un compte une fois, mais je ne l'ai jamais réouvert depuis. Mais je ne suis pas sûr que je pense juste à Instagram. Je pense, par exemple, au travail de Eric Kessels ou des gens comme ça qui font vraiment des nouvelles œuvres, mais à partir de choses qui n'avaient aucune valeur ou une valeur purement vernaculaire au début. Il est dans la métaphore aussi précisément du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire que l'installation qu'il a faite, par exemple, à Vevey l'année passée, c'était un tas d'images. C'était, je ne sais plus exactement à quoi ça représentait, mais on était vraiment dans l'analogie avec le monde contemporain. Donc effectivement, il n'a pas fait les photos. Puis pour les images d'archives aussi, c'est simplement, il en existe déjà tellement qu'il n'y a plus besoin d'en refaire. C'est une posture qui fonctionne. Mais c'est la posture que nous avons tous. C'est-à-dire que nous sommes tous maintenant devenus un peu éditeurs, rédacteurs de photographie. On choisit tout le temps des choses d'une façon qui me semble était réservée à des professionnels autrefois. Non, mais nous sommes tous. Mais c'est vrai que le rôle de choisir des images est maintenant beaucoup plus répandu qu'il ne l'était. Mais en fait, je pense que c'est... Enfin, c'est devenu... effectivement, c'est un photographe ou un artiste utilise maintenant plusieurs médias. Et il est même obligé de le faire. Il n'a pas vraiment... J'ai l'impression qu'il n'a même plus vraiment le choix. De nouveau, on revient à la musique. C'est la même chose. Un petit gamin dans sa chambre va
va acheter un piano, faire son enregistrement, demander à d'autres personnes de l'aider, et il n'a plus vraiment besoin d'aller dans un studio pour créer une musique. Et pour nous, c'est à peu près la même chose. On doit utiliser toutes les techniques à notre disposition, finalement, pour dire quelque chose avec les outils qu'on a. Mais quand Jona talks about photography being a language, does that mean that you also have the language of installation, the language of video, the language of old-fashioned painting? It seems to me that what you're saying down the road is that photographers don't have a language. They just pick and choose between all the media that are available. And that would worry me. That would suggest a weakening of our position. Alors oui, oui, c'est une faiblesse, parce qu'on ne peut pas être bon dans tous les domaines. En fait, c'est la maîtrise d'un autre outil. C'est tout simplement ça. Ça veut dire que je pense qu'il y a un nombre d'outils qu'on peut arriver à maîtriser pour pouvoir s'exprimer. Et à un moment donné, il faut de l'aide. À un moment donné, il faut un discours, il faut une critique, il faut quelqu'un qui nous dirige ou quelqu'un qui nous casse dans notre travail pour pouvoir dépasser ce stade. Mais à part ça, il y a... Non, je pense que c'est totalement normal qu'on apprenne ces différents outils. Après, c'est vrai qu'on peut garder un outil et l'améliorer jusqu'à un point à devenir un expert sur cet outil-là. Comme par exemple Mathieu qui utilise la chambre. Pas toujours, mais il utilise un outil analogique où vraiment l'approche de la photographie est différente. Et je pense réellement que la manière, enfin l'outil qu'on a va permettre d'ouvrir une porte et un autre outil va ouvrir des portes qu'on n'aurait pas pu. Des travaux que j'ai faits en analogique arrivent à un certain point et j'ai effectivement eu des frustrations sur les travaux parce que je savais très bien que je ne pouvais pas aller plus loin si je n'avais pas eu un autre outil. Et maintenant, avec, par exemple, d'autres types d'appareils, ça a ouvert d'autres portes pour moi. Pas seulement parce qu'on passe de photo à film, pas du tout. C'est la manière de photographier qui change et les possibilités, et non pas, je dis, des possibilités de retouche, juste le fait de photographier change, puisque c'est plus rapide, instantané, le fait de pouvoir corriger. Il y a des choses que je fais maintenant qui seraient impossibles de faire en film, impossible. Do you all have favorite photographic tools? Do you have cameras that you won't use, that you refuse to use, that don't do the job for you? My favorite tool is light. Land on. Yeah, actually, that's really the way that I look at photography. When I do installation-based works, it's projected light usually and some kind of translucent screen where it can be viewed from both sides. And I guess photosensitive materials, which don't end up in this still photographic image, which then becomes scanned or uploaded onto the internet and so on and so forth. I guess this the experience of photography as light and material. It's interesting because we're all thinking at one and the same time. It's exceptionally old-fashioned and it's also exceptionally new. It's a way of dealing, after all, what photography always was ways of dealing with light. What you're talking about also contains a refusal to be trapped in the machinery, the habits, the equipment that people talk about, which, after all, most photographic conversations sooner or later end up talking about, you know, f-stops. Not mine, I have to say. Jona, is there a machine that you use, that you prefer to use? Is there something that you're happiest with? For me, not really. Of course, it always... I think the idea and the content, they are like together, and then technique comes. Like, if I'm doing a project that I'm doing collaboration, like collecting people's photographs, for example, I think it doesn't matter, like, it really, it's about, like, what the project is about. If it's something that I can choose to make, like, good images and with the camera that I really like, of course, I would like to choose that. But if it's something that is more like a fragile and different project, so, yeah, it's a kind of content. Do you think people looking at your pictures can tell that they're by you, whichever machinery you used? Is there a signature? Can you keep a signature going through different machinery? That's, I have heard that, but it's kind of interesting. But yes, something. But also I've heard that you're so distant. Like that I met one, I'm now currently in New York doing artist residency, and then I met one person, and she saw first my work, and then she saw me, and she was like, no.
How can this be that you're so distant in your work and then as a person you're so crazy. But this kind of that you, but still there is something that I think, maybe I see it also, maybe it's this kind of fetish or you're a bit crazy or erotic, like in some way that you want to, you have your own rules and you want to control. Even the visual language can be different each time, but... The reason I ask the question is again this business of carving out an identity for oneself as an artist, that it seems to me that it's very difficult for photographers to divorce their way of showing things from the subject that they show. And by and large, you know, if it's a very large natural phenomenon, you think it's Ed Bertinsky and you don't necessarily ask yourself what it was made with. I wonder how you all come to new subjects, knowing that the subject may change the way your images look. And particularly for somebody like you who moves from one kind of zone to another, do they all feel the same as being by you? Yes, absolutely. Je pense que c'est le sujet qui va définir quel matériel on va utiliser. En fait, tout le sujet du le matériel, c'est devenu un sujet... En plus, c'est quelque chose que j'enseigne. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point la photographie est devenue compliquée. C'est vrai que maintenant, on peut faire des photos, n'importe qui peut faire des photos. Et la transition qu'il y a eu entre... l'analogique et le digital, on se disait que tout le monde va devenir photographe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'écart entre les amateurs et les professionnels s'est agrandi. C'est la sensation que j'ai eue. Et ce qui fait que la photographie est devenue très, très technique. Ça, c'est quelque chose qui m'embête réellement, puisque cette simplicité de prendre juste une image a disparu derrière certaines techniques qu'il faut qu'on maîtrise. Pour ma part, j'essaye d'éliminer absolument ça, puisque je prends des photos de personnes, d'humains, de quelque chose de vivant. Donc, j'ai un truc un peu où j'essaye d'apprendre absolument complètement la caméra ou tous les outils que j'utilise pour que cette chose qui me sépare entre moi et la personne que je dois photographier, elle doit disparaître, pour qu'il n'y ait plus que ces deux personnes et qui communiquent d'une certaine manière. C'est pour ça que, pour moi, la technique, elle doit vraiment disparaître. Avant, elle était très simple. On mettait un film, on réglait l'appareil, point barre, et toute notre attention était avec la personne, le modèle, le sujet. Maintenant, c'est vrai que pour la nature morte ou le paysage, c'est aussi différent, mais quand on a une personne vivante devant soi, il ne faut pas perdre du temps avec cette technique. Elle ne compte pas, elle doit absolument disparaître. Donc, c'est ça ma problématique à l'heure actuelle. Mais dans le jargon que nous parlons aussi rarement que possible, une image qui serait complètement transparente, c'est-à-dire une image qui n'aurait aucune expression de l'artiste, mais qui serait loyale au sujet devant lui ou devant elle, aurait peut-être pas beaucoup d'intérêt finalement, une fois que la transcription entre le vu et le rendu est faite. C'est justement quand cette technique intervient et qu'on commence à reconnaître le doigté d'un photographe, que je commence à me dire qu'il y a une personne qui a une opinion là-dedans, bien sûr, et non pas seulement un appareil qui fait des choses neutres. Mais le style, enfin le style qui se dégage d'une image, parce que c'est ça qu'on parle, elle peut être dans ce qu'on fait de la personne, la manière dont on la photographie, l'angle qu'on a choisi, la lumière qu'on a choisie. Finalement, la photo même, et c'est ça qui est assez intéressant dans cette exposition. C'est qu'on ne sait plus avec quel appareil c'est fait. On ne sait plus quelle technique a été utilisée. Mais le style devient, j'ai l'impression qu'elle devient presque plus pure, puisqu'on reconnaît l'œuvre de l'artiste à travers l'image. Et ce n'est plus vraiment une technique. Quand on regardait, par exemple, un Gursky, un Thomas Struth ou un Jeff Hall, on savait déjà qu'est-ce qu'il utilisait, de quelle manière il utilisait, la lourdeur du système. Maintenant, tout ça a changé. Et tant mieux, parce que ça ouvre beaucoup plus de possibilités et aussi ça apprend au collectionneur qu'il n'a pas besoin d'avoir un film pour pouvoir vendre une image. Ça peut être une image digitale, ça peut, enfin, le média n'a plus vraiment d'importance, c'est ce qui est dit qui est important et l'œuvre finale dans sa finalité, si on peut dire, parce qu'il y a l'image et la manière dont c'est mis en place et la manière dont c'est accroché. Have you all sold photographs? Have you sold at least one? What's the
What's the figure? What was the price of the first photograph that you sold? Le prix de la première photo 100 euros. Vous avez vendu. 100 euros. Well, I was doing some press photos, and I think $40. About the same thing, maybe 30 Swiss francs. Peut-être 30 francs suisses, la même chose. No, for an art photograph, of course. I don't remember, actually. Never under 1,000, actually. You see, serious professional. Never. The reason I asked the question, of course, is... Did you hear what he said? He said he's the one with the iron shirt. It is a serious question, of course. I mean, we know that the art market in photographs is growing apace at the top end. We know that at the top end there are lots of collectors, there's lots of activity. I noticed the other day that, I mean, we're constantly told the best-selling photograph is this or that, and it's always quoted as being from the art market. The picture that's generated the most money in the world so far is a picture of David Beckham in a sarong. David Beckham in a sarong has been sold at the moment for a total of $42 million. Now, that's many, many repeats of something being sold at a much less value than a Gursky or a, you know, whatever it is, a Steichen. But I am interested in this idea that we have this perspective that goes, the art market is doing okay, so the value of photographs is doing okay. But actually, it's paparazzi pictures, it's sports pictures that are making really big amounts of money. How do you feel about that? It's not real value for me. The man who made the David Beckham picture is living like a prince on the proceeds of the picture. There's clearly value there of some kind. Good to know, Abelard. That's the thing that I can support my doing art. So I think that's the paparazzi. Alors, le rapport de l'argent à l'art, c'est quelque chose de... Enfin, pour ma part, j'ai jamais pensé à gagner de l'argent, et même encore maintenant. Ça veut dire que je considère ça presque comme une forme de religion. Quand on fait un travail, il faut tout dépenser sur ce travail. C'est la foi qu'on a sur son travail. Et s'il est loupé, il est loupé, point barre. Et après, on passe à un autre travail. Donc, le rapport à l'argent, oui, on peut... Pour moi, c'est mon bonheur, il est dans le fait de faire des images, ou de créer des projets ou de rentrer dans d'autres univers. Donc si je gagne de l'argent sur un travail, mais il va être automatiquement investi sur un autre travail. Ce qui fait qu'il y a un... Et si je ne travaille pas, enfin, je ne crée pas, finalement, c'est que ça, c'est de créer des images, construire des images. En fait, je suis hyper triste. But photography used to be very clearly a profession. Now photography is a series of practices. How do you all find that the necessary maneuvering that you have to make to run a career corresponds to this idea that sometimes you're offered things which are more commercial, sometimes less commercial, sometimes you're the originator of work, other times there's an outside agency that's asking for work. Does this affect you all, or is it simply not part of your practice at all, that everything comes from you privately? Mathieu, where does the subject of your work come from? D'où vient le sujet de votre travail? My personal interests. Mes intérêts personnels. Je suis comme Anoush. Ce que j'aime, c'est me plonger dans, comme il le disait à l'instant, me plonger dans un univers qui m'est étranger, qui soit proche ou lointain d'ailleurs, de façon géographique. Et c'est ce qui est pour moi passionnant, et en ce sens, je suis un photographe encore à l'ancienne. Je corresponds encore au photographe, je pense. Donc je ne suis pas sûr de correspondre au modèle de Régénération 3, je suis déjà un peu dépassé. Same question. How do you negotiate the career that goes with the desire to make art? I think that it all kind of feeds into itself in a way. I've done quite a bit of work for a museum, framing some of their work, and that just seeing lots of objects, lots of photographic objects, and that just, even though it's not directly related, I think that it just, I'm interested in working there, and I think that we all end up taking jobs that we're more or less interested in and would rather not work flipping burgers. And then because of that, even if it's not direct, in some kind of subtle, unconscious way, I think that it will
work its way into your work. Et j'espère que d'une manière directe, indirecte, consciente ou inconsciente, cela s'intégrera dans ma carrière. Are you conscious that there's a career as well as a desire to make work? Est-ce que vous êtes conscient d'une carrière ou simplement d'un désir de travailler? I think this is like how I'm working. I think I don't. Yeah, I think in, c'est pas facile, in this work, there's like many parts. Like one, c'est un travail when I'm working, or when we all, I think, when we are working, I think you're concentrating on the work. Then you're not thinking like, does this sell? Who is the? Je ne pense à rien is my d'autre. Signature in the print, or you know, this kind of things. Savoir, I think you kind of almost out what, like you devote. Is it the right word? Like devote yourself with this strange passion. And, votre but of course, this work also it has so many things. One is like more this administration thing, mais like y a you have to, questions. You know, la gestion, you have to keep the networks, like you have to send emails, you have to apply to things, you have to make a lot of noise about yourself, even you're not into it always. But it's like having your own like a company in the same way that even you're not always on the mood, like, but you have to kind of, it's your. À faire parler de vous, if you want ever to get the bread, but I think that's very hard also, and even you don't want to, I think it's interesting always to share with people, like just whoever, like, your friends, your family. I'm afraid I have a very cynical perception, is that in any profession, there are ancillary skills that you need of being on time and being on budget and, you know, doing the administration. Unfortunately, in photography, there are lots of people who are very good at those things. Very successful careers, but maybe not so good at actually making photographs that got anywhere. And I look around the photographic world and I worry a little bit that the ability to say, I'm sorry, it's not actually a very good photograph, seems to have disappeared. And people say, well, she's always on time, she's always there, she knows everybody, she's very good at networking. There's a way in which the very constant presence of photography means that people don't quite trust their judgment about photographs. And of course, you're all artists. It's very worrying to live in a world where you're not quite sure that people come to their conclusions about your work for the right reasons. That seems to me a worry. I wanted to ask you about this, of course. I mean, here we are. It's the third iteration. It's a pretty major grouping of young-ish photographers. Tell me, Anoush, since you're the veteran of the thing, what difference did it make to your life to be in Regeneration the first time? Alors, c'est vrai que l'énorme vague qu'il y a eu pour Regeneration, en fait, c'est difficile de dire quand on gagne un concours. Qu'est-ce qui se passe? D'où est-ce que les travaux, les expositions viennent? Est-ce que la personne nous a découvert après, à travers ce concours-là ou à travers d'autres concours? La seule chose qu'on peut dire, enfin, pour moi, en plus, à la même période, il y avait d'autres concours en même temps, donc on ne sait pas d'où viennent les demandes. La seule chose qui est intéressante, c'est d'être vu, en fait. C'est ça le principal. C'est que, et là, je rejoins Bill Ewing, c'est qu'il faut envoyer, il faut dire ce qu'on est en train de faire, il faut communiquer, parce qu'en fait, si on ne communique pas, on n'existe pas. Point barre. Et on est même dans un monde où c'est pire, parce que les gens passent à autre chose très vite. Ça veut dire qu'on découvre un restaurant et il y en a un autre. Même si le restaurant est bon, on va vouloir une nouveauté. Donc, il faut présenter un nouveau travail. Mais il ne faut pas le présenter parce qu'il faut le faire. Il faut le présenter parce qu'on a envie. Ça veut dire qu'il faut créer des nouveaux projets parce que notre métier, c'est de créer des choses et de pouvoir aller plus loin. Et effectivement, gagner des concours comme Regeneration, et là, je le dis pour tous ceux qui sont sélectionnés, va ouvrir des portes. Certains vont avoir plus de contacts que d'autres, mais ce qui est sûr, c'est que les gens vont se souvenir de vous, mais il faut continuer parce qu'après, vous allez partir dans l'oubli. Ce n'est pas une étape, c'est une étape pour aller plus loin, ce n'est pas une finalité, le concours. Matt, one of the peculiarities of reGeneration is this notion that all of the people are brought together at the same time. How have you lived that? Is that an interesting experience? Is it a special experience? Is it something that's happened to you before? No, this is my first show in a museum in this context, and it's been a fantastic experience. Just some of the conversations that I've had with different people, one thing I found quite interesting is just the difference in references and theory that we're interested in, just across different continents, and I just
the opportunity to meet with artists from all across the world has been absolutely fantastic. Are you taking away ideas that you didn't expect to hear? Yeah, I've got a list of names to look up when I get home. Jona, the same question, of course. I mean, it's a very notable particularity of this particular competition. Well, I'm not sure it's a competition, this particular exhibition, that it brings together vast numbers of people with all sorts of different ideas. How's your reaction? I think it's very amazing, but also like to share work with other artists and to get to know them and to build a friendships, and I think that's something that I think is amazing, like a chance, an opportunity, to maybe to take something to further. You don't know what happens with some people, or that you know, maybe do a show or to work together. Mathieu, you've exhibited many times in what you might call more traditional contexts, where you don't necessarily see a great gang of people. Does this feel very different? Yes, c'est un peu, c'est assez familial. Moi, j'ai gardé contact avec plusieurs des photographes de Régénération. Donc c'est plutôt une bonne expérience, surtout en début de carrière, quand on ne sait pas ce qui va nous arriver, on a envie d'y arriver, on ne sait pas quel est le chemin à emprunter, et de pouvoir partager ne serait-ce que notre solitude avec d'autres, c'est très agréable. C'est des moments où c'est nécessaire, où c'est important. C'est les moments où on a le plus besoin, on a le plus de questions. Et puis, il n'y a pas beaucoup de réponses parce que chaque photographe a finalement un chemin différent, mais au moins on peut s'en rendre compte ensemble. Et ce qui est beau, c'est de se recroiser au fil des années dans des expos collectives où on se retrouve à gauche, à droite, on voit les parcours de chacun, et ça, c'est une belle expérience. Tu as parlé de solitude. C'est un mot qui s'employait autrefois beaucoup quand on parlait photographie. Est-ce que le photographe est encore aussi seul qu'il l'était? C'est quand même un métier solitaire, hein. Moi, je ne fais pas de cinéma pour une raison très simple. Hein. Ce n'est pas que je n'aime pas l'image en mouvement. C'est que j'aime bien être tout seul quand je travaille. Mais je pense que ce qui est difficile, c'est quand moi, j'ai par exemple des étudiants qui me demandent comment est-ce qu'on devient photographe, comment est-ce qu'on arrive à un certain niveau de carrière ou comme ça, il n'y a pas de réponse. Parce qu'il y a des chemins qui sont à chaque fois différents. Et c'est ce qui est un peu difficile et angoissant quand on sort d'école, c'est qu'on n'a pas la réponse à cette question-là. Et que la réponse, elle nous tombe un peu dessus ou pas, ce qui arrive aussi assez fréquemment, c'est-à-dire qu'on peut arriver à ne plus être photographe au bout de quelques années. Je pense que c'est aussi arrivé à certains photographes de régénération. Et donc, c'est une solitude, une angoisse, oui. Il y a un truc aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans une carrière artistique, hein, il y a des vagues, il y a des montées et des descentes. Il y a un moment donné, il y a une vague qui arrive et il faut la prendre. Et la même chose, quand des étudiants me demandent aussi ce type de questions, en fait, je leur réponds une phrase que Bill m'a dit. Il m'a dit, c'est les 5 premières années après l'école qui lancent une carrière. Et je dois, en fait, j'étais dans ces 5 premières années et je me suis demandé, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il n'a pas raison? Il a raison. C'est vraiment... Si on décroche quelque chose juste après l'école, il faut vraiment continuer très vite parce qu'il y a une vague à prendre. Après, ce n'est pas grave si ça redescend, mais au moins on l'a pris. Évidemment, moi j'ai loupé des vagues, ça c'est clair. Je m'en suis voulu, je me suis rendu compte. Mais je pense que les jeunes photographes ne se rendent pas compte assez vite. Il faut la prendre, cette vague. Et on sent quand les gens viennent. Vous verrez, il y a un moment donné où il y a plein de communications qui arrivent. Certains parlent à d'autres personnes et il faut vraiment aller vite à ce moment-là parce qu'il y a d'autres personnes derrière vous ou en parallèle. Et c'est là que c'est très important d'avoir des contacts et puis demander de l'aide. I want to ask the younger photographers at the other end of the table, are you aware of competition? Do you feel that there are people treading fast behind you who will get the show or get the job or get the renown if you don't have an idea this week or next week? In a way, yes, but I don't think you can catch yourself oui. up on that because then you're just going to be trying to create en fait, the next il faut pas thing trop se focaliser like, là-dessus. At the end of the day, en fait, I guess it falls back on what you're interested ce qui in. Compte, what c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui vous inspire en tant qu'artiste. I think that kind of would create this kind of emptiness inside you if you're. Oui, c'est vrai que cette solitude, yeah, je la ressens, you to, mais you're doing the competition with yourself. On entre en concurrence avec soi-même, on est un petit peu paresseux de nature et donc il faut lutter contre cette nature. Mais c'est vrai qu'il faut aussi compter sur un réseau d'amis. Quand vous tombez, ils vont vous aider à vous relever. Et c'est important de pouvoir compter sur ce système de soutien.
I want to move the conversation on a little bit. I want to ask you all about books. Maintenant, I j'aimerais worry a lot about books. Des livres. Je m'inquiète. Books used to be something that was livres. Published by somebody, a company, étaient publiés and they put par their marketing weight behind it, they put a judgment behind it, they put some kind of validation behind it. Toute l'armada commerciale qui va avec. Aujourd'hui, on voit des photographes qui publient des livres. Even when they don't look like they're published by photographers, et so that regular companies take money même off photographers. D'autres intermédiaires s'immiscent dans ce processus. En fait, on a l'impression d'avoir, si vous voulez, ce que les dames faisaient au XVIIIe siècle, où elles publiaient un recueil de poèmes pour flatter leur vanité. Mais en fait, très peu de ces livres dépassent les 5000 copies. En très souvent, ils sont vendus aux collectionneurs qui les gardent en plus dans leur emballage d'origine. Donc, je suppose que vous voulez tous publier à un moment ou à un autre, vous avez envie de le faire, mais c'est un nouveau domaine dans lequel on veut être vu. Alors, d'après vous, comment est-ce que cette absence de validation influence ce que vous avez envie de faire en matière de publication? Alors, ça tombe bien parce que justement, je suis sur le point de publier un livre. Pourquoi? Justement, qui porte sur la série que j'ai fait pour reGeneration3. En fait, taking down and hanging and doing the vous savez, on accroche, on décroche, on est impliqué dans l'installation. Et moi, j'avais envie de créer un forum où je peux exactement planifier les choses comme je l'entends. Mais dans mon livre, je ne veux pas de texte, je ne veux pas d'introduction. Je vais simplement, en fait, mettre une définition sur la première page. Mais je veux laisser l'imagination, libre cours à l'imagination quand on va parcourir ce livre. Et dans son format, je veux le présenter de manière assez intime. Can you tell us? I'm sorry to ask the question, but are you excusez-moi paying for it? De poser cette question. Vous êtes payé pour cela? Oui. Even with editors, you have to pay. Mais même avec les éditeurs, il faut payer. Not all, but pas tous, the c'est voice vrai. That you heard from the front seats was Bill Ewing, who spent a lifetime trying to persuade people to pay for his books. C'est Bill Ewing qui let's just stay on the subject for a little moment. Pour ses livres. Mais there revenons is a big un peu sur notre sujet. Between what we used il y a une différence entre ce qu'on pensait d'un portfolio qui avait une très jolie présentation, et puis aujourd'hui, vous avez des livres qui étaient publiés par Penguin Books, par exemple. Je me souviens, ils avaient 75 ans de réputation et d'expérience. As I say, I worry alors, about moi, je m'inquiète I worry that the principal sur le form fait of representation que la forme principale de représentation des photographes est devenue ce livre dans lequel les photographes sont vus, où les gens peuvent où on peut choisir une séquence et un texte. Pour être, c'est une inquiétude pour moi, cette ingérence du commercial dans cela. Vous avez un livre, vous, Matt? No, I don't have any non, books non I've pas pour le moment. J'ai aidé un photographe à le faire. Moi, j'aime beaucoup ces livres, car on est obligé de s'asseoir. Et puis, ils sont très utiles, parce qu'on peut imprimer beaucoup de photos pour finalement pas très cher. Bon, moi, je n'ai jamais je ne me suis jamais publié, mais j'ai toujours été un grand fan des livres qui sont faits par les photographes en coopération avec une institution, parce que je trouve que c'est un support supplémentaire, et en plus, ça permet d'avoir une séquence chronologique. Vous les collectionnez, vous? Oui, en effet. A little bit, yes. Un tout petit peu. Beaucoup, a lot. Yes, and I have some rare books. Oui, j'ai aussi des livres assez rares. Mais effectivement, c'est le livre, in c'est fact, un peu la finalité pour moi d'un books travail. Books are the result of
of work. And so I've never published because I've never had the time to do so. You know, there's so much work that's required before the inception of a project. And then you have to go talk to publishers. You have to show them your work. And you have to convince them to publish you. And it takes time. And personally, I've done so many things that I've never had the time to see a publisher. However, I've tried to present in contests, and things have changed. Les livres ne sont plus des livres I have photos, the impression that books are not books on photography, but there are essays on photography. They are like an exhibition. They come on different support, different types of paper. And I feel that beautiful books that were made back in the days are becoming a thing of the past. In London, I know there's a contest for books that are superb, and those that are just coming out of an exhibition. And the difference is staggering. In Amsterdam, there's another show where I know it's for books. And what I find interesting is that people asked how much money they would like for this book. So ils vont faire attention I find that quite interesting because some people are going to take into account how much money is going to cost them when in fact the objective is to win a contest so you can make money. So the relationship with money becomes tricky. Now, in terms of just creating your own book, I find it's a quite interesting process in itself. I've been told that it's not very good to show a book to publishers because it means that you are finishing your work. And it's his job, really, to come up with this book. And he should do it as he sees fit. But I think it can be something quite useful. The whole question of competitions seems to me to be parallel to the question of books you mentioned. La concurrence est parallèle à ce processus des livres, parce qu'un petit peu de concurrence, quand on paye, par exemple, pour faire partie d'un show, c'est un business. Vous avez des jeunes photographes qui vont mettre $40 pour créer the big public doesn't quite know the difference. Public, lui, ne connaît pas bien la différence. Il ne sait pas si c'est une compétition neutre à but non lucratif. There's a competition in Canada which is called the Goodyear competition. J'ai découvert la compétition Goodyear. Qui doit inclure un pneu et après clearly, this is on peut utiliser vos photos dans leur campagne marketing. So we have these problems of concealed marketing. Et donc, il y a ce problème du marketing dans les livres. On a des problèmes de marketing dissimulés dans les photographies commerciales. We have it in the competition business. On a également cette concurrence. Even the business of exhibitions of this kind as having que le monde de l'exposition va également devenir de plus en plus commercial? Est-ce que vous pensez qu'il va avoir un but lucratif? But in this complicated matrix of running a business as an artist photographer, is there some business à faire tourner en tant que photographe? Est-ce qu'il y a un objectif final commercial aux expositions? Beaucoup de choses qui m'ont été dites, c'est compliqué, et puis surtout qu'on commence à avoir peur de répondre aux questions vu le panel d'invités qui est en face de nous. Mais je vais quand même essayer de me lancer. Pour parler de l'ambiguïté des expositions comme régénération, si j'ai bien compris, si telle est la question, c'est un super point de départ dans une carrière, mais c'est vrai qu'il y en a une tous les 5 ans et qu'il y a un système général aujourd'hui qui, pour moi, ressemble à une forme awesome. De consommation des artistes. C'est-à-dire qu'on consomme de l'artiste, que le marché, mais ce n'est pas les musées qui induisent ça, je pense, que le marché consomme les artistes et que leur durée de vie est relativement courte. Il y a des carrières qui peuvent se faire très vite, mais se défaire très vite, peut-être c'est des cas avant. J'ai le sentiment qu'il y a aussi une masse, un volume critique tellement énorme qu'on peut jeter facilement parce qu'on aura toujours du nouveau qui arrive. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. C'est très intéressant. Comment vous résistez à ça?
Comment vous résistez à cela? Il faut admettre peut-être de vivre dans une temporalité plus grande que celle du jour le jour. D'accepter qu'on fait une carrière sur 30 ans et pas sur 5. I want to take a few questions from the audience. We can come back to some. Let's see what the audience finds that we haven't discussed, and then we can come along. Raise a hand. I can't see everybody, but make yourself known. Let's see where you want to ask these ladies and gentlemen what I haven't asked. Are there areas that you're interested in that we don't know about? Somebody dive in. There's always a shy moment. Somebody dive in. Couvert. Allez, que quelqu'un se porte bénévole. Oh, big shy moment. Go ahead, sir. Thank you. I just want to make a short comment. When we spoke a lot Micro. About how many photographs are being produced nowadays, and then recently how many books are being produced by the photographer. And I'm just thinking that... On ne peut pas traduire lorsqu'il n'y a pas de micro. There's a, sorry, I didn't know there was a microphone. Oh, would you start again? Thank you. I just want to make a comment about how J'ai much un commentaire work has been produced sur la quantité de travail produite par les photographes amateurs, mais également par les photographes professionnels. Francis, vous avez dit que vous étiez inquiet parce qu'il y a tellement de livres publiés et finalement l'éditeur a peu d'avis à émettre. Moi, je n'ai pas peur de cette quantité énorme d'images, de livres. So I don't think it's a problem that there are many Moi, books. Je ne pense pas que if we can cette really quantité good from soit un problème. And I think it's wonderful that it's so democratic nowadays that everyone can publish a book. Finalement, c'est très démocratique le fait que l'on puisse publier son propre livre. Et finalement, ça permet d'outrepasser l'opinion de l'éditeur, qu'il aime ce que vous ayez fait ou pas. It became very democratic. Et c'est un processus assez démocratique de pouvoir s'autopublier. It's a wonderful thing that that photography became so democratic, and of course, et bien sûr, for the artists. C'est également difficile pour les artistes, mais personnellement, pour moi, ce n'est pas une menace, cette grande quantité de livres. Si on est assez sensibilisé et formé pour justement séparer le grain de livret et savoir ce qui a vraiment de la valeur. I don't hear the question. Je n'ai pas entendu la question. But it's a very interesting comment. C'est un commentaire. Just quickly to explain my own feeling. I don't at all mind that great democratic opportunity to people to do things. What I mind is that the potential bias of these things are not being squarely told. Which are published with somebody's professional backing and which are self-published. Ils ne savent pas ce qui est autopublié ou ce qui est donc l'illusion de la validation. The possibility of you or anybody else making as many books. Le fait que ce processus soit démocratique, ça me plaît. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on nous demande de traiter un livre créé par un éditeur avec tout ce processus de sélection et marketing, alors qu'en fait le processus n'est pas cela. Et je pense que dans une étape intermédiaire, où ces choses n'ont pas encore été séparées, mais à l'heure actuelle, il semble vraiment à savoir qui sont ces acheteurs. Ils pensent acheter de belles images, en fait, quand ils achètent tout simplement le portfolio d'un artiste. Go ahead. Allez-y devant moi. Silence falls. Yes, sir, thank you. Well, but I don't really see the difference between Moi, je ne vois pas vraiment la différence entre les livres autopubliés et les livres publiés par les éditeurs. If you're real interested in the photos, si vous êtes vraiment intéressé par la photographie et que ces photos sont excellentes, c'est quoi le problème, la différence? Anybody want to answer? Quelqu'un a-t-il une réponse à apporter? My answer would be very, very simple. Moi, ma réponse est très simple. Of photography, lots of great books have au travers de l'histoire de la photographie, on sait que beaucoup de livres ont été autopubliés, mais on sait de qui ils viennent. On sait qu'ils nous sont présentés comme une alternative de ce qui avait obtenu la validation, l'imprimature de quelqu'un d'autre. C'est un animal complètement différent. Et vous savez, tout comme le cinéma indépendant qui, auparavant, on arrive exactement à savoir si on allait voir un film indépendant ou pas. Mais maintenant, je pense que si vous voulez, c'est l'étiquetage de ces produits qui n'est pas clair. I mean, the completely neutral judgment that says I like these pictures is fine. Dire j'aime ces images, bien sûr, ce n'est pas un problème.
Nobody would mind that. Personne ne peut être gêné par cela. Mais en fait, il y a une légère illusion sur la notion de publication qui se mélange avec celle de l'auto-publication. I'd just like to ask then why do you see it like I don't understand why someone who's has a job as an editor, pourquoi why his opinion should be more valid est-ce que quelqu'un qui est éditeur, son opinion devrait compter plus que celle de l'artiste en ce qui concerne la publication des livres? Pourquoi est-ce que l'éditeur devrait avoir l'autorité sur la décision de ce qui va être publié? It's not that it's not an interesting question, is I feel that the questions are being addressed to me and not to the panel. I would very much like you to have the opportunity to ask these assembled ladies. I mean, I've answered three in a row. Somebody, please, I'll talk happily afterwards with you about this interesting question. But I would very much like the panel to do what panels are for, which is to throw some light on your darkness. Panel. I have a question for Jona, because une question I know your pour work. Jona, je connais votre travail. In other contexts, in Switzerland, but I didn't show Jona's work, I showed Manantai. Mais je n'avais pas montré le travail de Jona de Manantai. On the screen behind ce qui est intéressant, you, c'est qu'à l'écran, il y avait les noms d'artistes qu'on a eu dans les éditions précédentes. Et un autre nom, c'était Angola. And she was part also of reGeneration. Et elle faisait partie de reGeneration. So you are connected with reGeneration today. Anyway, my question was ma question about the collective est la suivante, work. Sur le travail collectif. Because what you brought when we showed together Manantai, ce que vous avez apporté quand on a montré Manantai était un travail complètement différent. Et le fait qu'un photographe ou un artiste travaille dans un collectif en cachant son nom. And I think it was a very interesting thing also for your generation. Pour moi, c'est intéressant également dans reGeneration de créer un événement, un livre, une exposition où les noms étaient occultés. And I wonder today, you know, this idea of working in a collective. Vous savez, quand on parle de travailler dans un collectif, also some of you work in a collective. Peut-être certains d'entre vous travaillent dans un collectif d'artistes. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui se développe. Parce que je comprends bien ce que Mathieu Gafsou a dit en disant qu'il était un solitaire. Et ça, ça a toujours été vrai pour des dizaines de photographes qui travaillent seuls, dans la rue, dans la chambre noire. Your experience with Mananta and maybe someone else je voulais savoir si, quelle était votre expérience au sein de ce collectif d'artistes. Est-ce que cela vous a apporté? Yeah, it's kind of interesting to have these two artistic practices. Pour moi, c'est intéressant d'avoir ces deux time. Pratiques artistiques. Yeah, for me, I think the, how it started was kind of we started like seeing each other like as a friend. En fait, sharing, cela a commencé parce que nous étions artistes. Sharing the loneliness that you on describe a partagé it. La solitude du photographe. Yeah, also this kind of having on one author, like one authorship. Et puis and on voulait avoir un seul kind of auteur. Fingerprint or take it away and you don't know whose et voice en fait, is it or whose on ne savait pas de qui venait l'idée ou le travail. Or something that you have to kind of let go and be very open. En fait, il faut être très ouvert. Artistic practice, you are parce kind que of very alone and you dans you notre those pratique, on est toujours très seul, on fait beaucoup de, on prend toutes les décisions finalement. Sauf si vous coopérez avec quelqu'un d'autre. Par exemple, avoir le soutien ou l'aide de quelqu'un pour faire les installations. Pour moi, c'était très intéressant de poursuivre ces deux pistes. Mais c'est vrai que parfois, ce n'est pas facile. Vous savez, on est très différents. Moi, quand je travaille là-bas, je fais des choses qui parfois, que je ne ferais pas si j'étais seule. C'est un petit peu bizarre, mais c'est en tout cas l'impression que j'ai eue. Doesn't sound weird to me. It sounds exactly like everybody wants to work en fait, with people or alone. On veut travailler avec des gens avec qui on peut apprendre. Regardez, les musiciens, ils travaillent seuls, ils travaillent avec d'autres artistes. Je pense qu'il n'y a rien d'étrange à vouloir travailler seul et parfois en groupe. C'est vrai. Vous savez, c'est difficile de s'intégrer à un groupe. Of course, it's not easy. It's
we are like eight artists. En fait, nous sommes huit artistes. Alors, imaginez avoir huit artistes qui se mettent d'accord. Et donc, il faut tous qu'on lâche un petit peu le contrôle si on veut aller de l'avant. Mais je trouve que c'est vraiment une très bonne expérience et je la recommande à tout le monde. Thank you. Let's have a few more questions. Merci. Alors, encore quelques petites questions. Je travaille dans le monde de l'image depuis plusieurs années. I work in the field of images. I don't think I would call myself a photographer. Aux différentes questions qui ont été posées, je pense que to go back to the different questions that were raised, it is true that we are constantly bombarded by images. We are digital era, and it's true that there is a multiplication of images. And my question is the following: I'm also a teacher. My question is actually for Mathieu Gafsou. Why did you decide to also teach? And what is the message you convey to your students? What do you want them to take away? What would you like your students to keep from what you teach? Je trouve que les deux questions sont beaucoup trop difficiles pour moi. Les deux questions sont beaucoup trop compliquées. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans l'enseignement de la photographie, c'est de construire et utiliser le langage photographique d'une façon cohérente, c'est-à-dire que je m'intéresse peu à la technique, sinon qu'elle serve le projet. Et ce qui pour moi est le plus important avec les étudiants, et ce qui est vraiment mon cheval de bataille permanent, c'est pas juste de faire de la décoration, parce que c'est une tendance à être parfois trop décoratif pour la photo contemporaine. Et moi, je les embête vraiment avec ce souci de la cohérence. And encourage them to be l'assemblage du fond et de la forme, qui est une espèce d'unité et qui fait un vrai projet. Et ça, c'est pour moi extrêmement important. Ce qui m'a motivé à devenir prof. The reason why I decided to be a teacher, you know, it's quite complicated. Alors moi, c'est différent. For me, things were a little bit different. Première question, qu'est-ce qui m'a motivé à devenir prof? First question, I decided to teach because totalement naturellement, puisque quand j'étais étudiant, j'avais déjà les autres étudiants. Et même j'ai fait des travaux d'étudiants, j'ai fait des travaux de mes collègues et ils ont eu une meilleure note que moi. I used to do the homework for my friends and they got better grades. Parce que j'aimais bien aider les gens. You know, I like to help people, I like to support them. Et maintenant, qu'est-ce que j'aimerais qu'ils retiennent? And what do I want my students to take away from what I've taught them? I don't want to contaminate them. I look at myself as a mentor. I'm there to help them grow, but I do not want my work to influence their work. So I try to put a little bit of distance. And I try to go very far, which is quite interesting when you teach, whether you teach photography or you teach in an art school. You can ask a whole range of questions to your students, and they have to be very personal questions. Créer un travail, because c'est I think that if you want to create a piece of art, you have to talk to the artist and try to bring up things from his past, from his previous experiences. And I look at myself as helping them develop their vision. Toutes ces années d'enseignement, ça a apporté aussi ça. And many years of teaching have also brought me a lot. I used to think that I would come up with a lot of ideas, and basically, teaching allows me to see whether a student has potential or not. And I'm able to find solutions. And it's also helped me to become more efficient. I know exactly if I look at a student, if he's going to be able to finish his work or not, and what kind of help he needs. So that's how I look at what I do. But you know, teaching is quite demanding, and you need a lot of energy. Is there a great mentor or teacher that you feel had more influence on you than most? Is there something that you retain from one particular teacher? Yes, definitely. Her name's Kelly Egan. She taught in my program Kelly for a year, Egan, and then she left, and she's an experimental filmmaker. Aujourd'hui, en fait, elle est basée à Toronto. Elle fait du cinéma. Elle m'a présenté Panchettes, et j'ai eu des conversations très intéressantes avec elle que l'on continue encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, elle a influencé les références de mon travail, ce que j'ai créé. Et c'est vrai que, oui, elle m'a beaucoup influencée.
Yes, sir. I'd like to ask a question which relates reGeneration 3, actually the three Ma question a trait à reGeneration sur la question d'autopublication. Would you rather you were not this was not a competition just I want to get make that very clear. Je vais bien dire très clairement que ça c'est you pas did not apply to be in this show, une compétition and you were not chosen vous ne vous êtes vous n'avez pas rempli une demande pour faire partie de ce cette exposition on a proposé votre nom et c'est ensuite nous qui avons sélectionné les artistes que l'on veut montrer. Imaginez une situation au musée Elysée dit bah écoutez c'est très démocratique vous nous payez $50 et on vous met dans l'expo. Est-ce que vous attacheriez autant de valeur à cette exposition? Parce que dans le premier cas de figure, vous avez été sélectionné par un jury. En ce qui concerne les livres auto-publiés, c'est un peu un parallèle. Vous savez, il n'y a rien de mal à s'auto-publier. Mais ce que Francis voulait dire, c'est que, vous savez, c'est différent quand on est choisi par des professionnels, des chevronnés, qui ont vu beaucoup, beaucoup de livres et qui pensent vraiment à votre travail. Moi, j'ai travaillé pour une grande maison d'édition et je regarde beaucoup de choses. Je passe beaucoup de temps et je fais ensuite des propositions solides à ce photographe. Et ensuite, Thames & Watson va faire l'effort de le publier. Et vous savez, il y a tellement de compétences maison qui sont mises au service de la publication d'un artiste. Et honnêtement, vous ne préférez pas avoir un livre qui est passé par ce processus? Vous ne seriez pas fier de dire, voilà, cette maison d'édition m'a publié? Ou est-ce que vous préférez, j'ai payé moi-même pour que je me publie? Je ne cherche pas ici à dénigrer les livres auto-publiés, mais je voulais un peu jeter la lumière sur le processus des maisons d'édition. Vous, en tant que photographe, vous devez créer des images et nous sommes des experts et on essaye aussi de les juger, de les évaluer et de valoriser votre travail pour le distribuer. Donc, si vous voulez, je pense que c'est une relation synergétique et il est important que les deux côtés se comprennent. Un dernier commentaire. On peut très bien dire qu'il y a des livres qui ont passé ce processus que vous venez de décrire, et pourtant je ne pense pas qu'ils sont bons. Et même chose pour les livres autopubliés. Bon, ça, on peut dire ça pour le domaine de l'art en général. En fait, ces deux systèmes ne doivent pas être mis sur un piédestal, car en fait, l'autopublication, cependant, permet à des personnes qui n'ont pas accès à une maison d'édition de faire connaître leur travail. Et on n'a pas besoin d'avoir des livres qui coûtent très cher à publier, mais pourtant qui sont importants pour le monde de la photographie. I don't think anybody would particularly disagree with that. Je pense que personne ne va s'opposer à ce que vous avez dit. On va peut-être quitter le domaine des livres. You had a question only about books? Non, en fait, ce que je voulais dire, on en revient à l'éducation. À l'heure actuelle, la tendance, c'est de publier des livres et j'ai l'impression que ce sont les projets qui sont au service du livre plutôt que de livres de venir soutenir une exposition. Il y en a qui vont mettre en place un show extraordinaire, mais il n'y a pas vraiment de contenu. Ce qui est bien avec l'autopublication, c'est que le photographe, sans avoir une grosse structure derrière lui, peut maintenir les prix un peu plus faibles et atteindre un plus grand nombre de personnes. Mais au final, en tant que lecteur, quand on va dans un
we are surrounded une librairie et qu'on est entouré de livres. Il y a une telle pollution visuelle que parfois je trouve que la qualité n'est plus la même. Mais c'est vrai qu'on en revient à ce qu'on disait, sensibiliser, informer ceux qui achètent les livres et ceux qui créent les livres et ceux qui vont les évaluer. Thank you very much. I see a lady over there who knows a thing or two about books. Go ahead. I was trying to resist because we seem to be wrapping up. But I mean, a couple different things. First of all, juste I'll just say for the record that remarques. Aperture does not take money Aperture from a photographer ne reçoit to pas make a book. There is collaborative fundraising. Every book needs to find le some way to make it feasible. But I know, of course, of the publishers of which you speak, where basically you can, with $30,000, ostensibly, get your book made. However, there is still a selection process there, and I'm going to also talk about Nine Nameless Mountains, which I think was a great book, and it wouldn't have been the same. It seemed, I think, and I've seen others from Care where I knew the dummy before it was published by the publisher, and it was a very direct translation, and then it gained the benefit from the distribution, marketing, the imprint. And I think there is this interesting hybrid, I think, so long as that selection criteria of an editor who's recognizing that sometimes the artist has done it all, why take it apart and try to redo it in a way that's more your style or something? So I think there's this interesting, there's so many ways of accessing publishing and the combination of editorial decision-making artist decision-making, where the designers are coming in to the process. It's kind of an amazing time. I mean, I'm a huge advocate for self-publishing, partly because it takes some of the burden off me. I don't have to do every single photo book in the world, and it is more and more the end result of an artist's practice. So I say more power to people who really do have a vision for that book and want to. Ladies and gentlemen, you seem to be having an easy time as we drift away from your practice to talking about books. We haven't got very much more time. I'll take two quick or one slow question. I think probably we ought to stop around now. Let's have one more and we'll see if there's time for one more after that. If we can get off books and back to these amazing photographer, artists, whatever you want to call them, let's have one more question, please. Table ronde. Silence has fallen. You pas all want question. To worry about books. Go ahead. Bon, alors tout le monde veut parler des livres. Go ahead. Allez-y. We'll have to make another panel. We'll talk about Il books. Il faudra faire une autre table ronde où nous parlerons uniquement des livres. It's coming behind you. It will be comment. C'est un commentaire. I'm working on at the Finance University in Poland. In intermediate Bologne. Photography workshop, and actually we have you know one topic with students can choose and do it, and this is a topic about photo books, and they because you know actually I think it's few different meanings of photo books, you know, self publishing. You can do it like you know art object, and we ask. Every time photo, ask le livre our students de photo about, est devenu you know, un objet d'art. Photo en books, soi. But treat et like an art object, nous you know, unique, voyons and que they can do it in this way, you know, nos étudiants like unique le art livre object, de photo and comme un objet this is book, and this is unique. A self-publishing book, et but in the same time, this is you know, a qui est unique désormais une œuvre d'art traitée you comme you une œuvre d'art. Thinking about self-publishing book et in this way c'est as ainsi, well. Je crois, que l'on like peut réfléchir à l'autopublication. Okay, thank you. Bien, we will. We'll think about it in exactly that way. Ladies and gentlemen, penser, all, thank you very much. Very interesting merci debate. À tous pour ce débat I learned things. I hope you all enjoyed it too. Thank you very much. Et j'espère que vous aussi.